Les amis, nous nous sommes dit pourquoi pas prendre des vélos, voilà, afin de véloter dans la rue, dans les rues de Toronto. Du coup, il faut payer une application là. On a des vélos, c'est bon. Putain, c'est... Non, mais c'est quoi, c'est électrique ou pas? Ah, c'est pas électrique. Ah merde, bah c'est pas électrique. Mais c'est pas grave, c'est cool. Ah ouais, on va vite hein. Un petit vélo là, c'était carré. T'en penses quoi toi? Eh, t'en penses quoi de ce T'en penses quoi frère? On est à Toronto avec des vélos. C'est complètement incroyable, c'est complètement un truc de ouf, c'est un truc de bébé. Les gars, on a pété un chargeur. Hein. Regardez. Voilà, plus de chargeur. Il est resté bloqué dans ton tel. Quel chargeur de merde là. Un chargeur de pété. 10 heures trouvé. Il y avait une Lamborghini de ouf qui est passée genre. Eh, j'ai pas filmé, j'ai le son de ouf. Mais t'es incroyable. Regardez là, on est où? Regardez. Genre, putain. C'est stylé de ouf là. C'est les briques là. Ouais, j'aime bien ça, les briques. Là. J'aime bien ce petit design. Les gars, vous voyez sur cette carte, il y a marqué quoi? Oh merde, putain. Christian. Eh, il y a marqué quoi sur cette carte? Là? Il y a marqué quoi? Là. Ticket, billet. Non, là. Presto. Non, il est copresto. Oh merde. J'ai fini. Plus jamais ça. Okay. Incroyable, incroyable. Oh putain. J'arrive pas à croire, genre on dirait que c'est une photo. On dirait c'est... Une photo. Vas-y. Google, genre. Petite miniature là. Les gars, ici, il y a l'entreprise de Google, genre. Là, tu sens vraiment l'Amérique, tu vois. Ouais. Tu vois ça ouais. We're in America. Attends, il faut qu'on te voit dans la miniature devant le truc. Non les gars, c'est incroyable. Oh, petite BM là. Normalement les BM, on les voit pas assez souvent ici, c'est rare. Dites-vous, ici voilà, il y a des shops de cannabis au calme, genre. Cana Cabana. Eh les gars, on dirait pas le logo de Paris Aéroport, genre. T'as le trip, 6$. On des burgers de gros porc, 4$. On teste le double, vas-y, le double, parce que le trip c'est trop et... Je te jure, de base, on est juste pour un café. Le single, c'est pas assez. Pas un combo. Non, pas un combo, juste un burger. Non, mais mec, on mange des burgers tous les jours. Il est 11h30 et on bouffe un burger. Hello, I am sandwich. Alors, I am sandwich. Les gars, ce ouf là, il est là, putain. Si on l'a pas vu, ça fait des millénaires. Il est allé pêcher une meuf. Du coup, t'as fait quoi avec la meuf là? C'était comment? C'était comment avec la meuf? Ok, je vais faire pas en parler, t'inquiète. Ah ouais, Et pourquoi t'as ça dans ta poche? Hein? Oh, wesh, oh le bâtard! T'as ça dans ta poche? Mais c'est bizarre, toi! C'est bizarre! Arrêtez, s'il vous plaît, de manger ça! Ah ouais, le 92 avec les sièges rouges. Gars, on bouffe un putain de burger et là, il y a lui, là, il est là. Cet indien là, c'est pakistanais, pardon. T'as une pochette à rabat? Ah d'accord. Ouais les gars, c'est incroyable. C'est merveilleux. On est au Canada. Ouais, Théma, c'est quoi tous ces trucs là sur le. Oh, là. Il lit la notice là. Je lis la notice d'amende là. L'amende, on a pris l'amende. Gars, on est au Canada. Waouh. Gars, on s'est pris une amende. 30€ les gars. C'est bon, faut payer sur un site internet. Bon, ça en fait quoi de prendre une amende là? Ça casse les couilles, frère. Non, on s'en bat les couilles. Ouais. Moi, j'avoue 30$. Eh, c'est trop stylé de rouler dans des villes comme ça. Genre. Regardez les gars. Waouh. Michel, t'en penses quoi du voyage? T'en penses quoi, s'il te plaît, Z? Transition Mustang. Ah oui, transition Mustang, vas-y. Transition Mustang. Non, vas-y. La BM. Waouh. Gars, regardez la route là, elle est incroyable, elle est merveilleuse là. Là, j'ai envie de prendre un mode menu et de m'envoler, genre dans les airs. Bon, d'accord, j'ai volé la phrase à Hatsa. J'avais pas filmé tout à l'heure, il avait dit ça, mais j'ai volé sa phrase. Est-ce que t'es énervé que j'ai volé ta phrase? Non, mec, là, je suis en train de rouler. Il dort, cet enculé là. Il a mis sa main dans le cul, dans mon cul, ce bâtard. T'as vu, Christian? Je suis le coach en séduction américain le plus réputé en Amérique du Nord. Ouais. J'ai coaché plus de 100 000 hommes. 100 000 en moins d'un mois. En moins d'un mois. Avec 506 femmes en une semaine. Si vous voulez, je vous enverrai les preuves des photos WhatsApp. Ils ont pris en photo toutes les femmes. Franchement, je suis grave d'accord avec toi. Voilà, grâce à moi, en un jour, je vais pouvoir coucher avec 103 femmes et demie en un jour. C'est une promesse. Et que en anglais, hein. Même pas un mot français. Genre. Toujours dans respect. Quel respect. Toujours. Par contre, tu vas devoir payer au moins, j'espère que ça te dérange pas, hein, mais ouais. 55 000€ pour un mois. C'est pas très cher en vrai. Par mois? Tranquille. Un mois. Mais après, t'es un pro, genre. Après, tous les mois, tu vas faire l'amour à au moins, allez, 700 femmes par mois. Par mois, wow. Tu vas être capable de faire l'amour à 700 femmes. 700 ouais. femmes par mois, ouais. Franchement, 700, ouais. C'est juste que tu baises. Attends, c'est juste que tu baises 22 femmes par jour. Eh ouais, mec. 22 femmes par jour. Par jour. Sachant que dans une journée, t'as 24 heures, c'est-à-dire que tu baises une femme par heure. Ouais, mec. Ouais. Et tu dors que 2 heures par jour. Ah, t'es obligé. Hein.
Ah ouais, non, mais c'est intense. Hein. L'eau la plus recommandée du Canada, faut pas oublier que c'est Pure Life. 3$ le pack, ouais. De 50, vraiment rentable. Ça, c'est le bâtiment du 9-2, ça, c'est le quartier du 9-2. C'est la route du 9-2, genre. Là, c'est la route, c'est le du 9-2. Genre, tout vient du 9-2, genre. Tout du 9-2. Ça, c'est en fait, si je veux tourner à gauche, je tourne d'un coup. Genre, tu mets pas de clignotant, c'est d'un coup que tu tournes. Je connais, moi, je vis dans le Canada. Ah, ça, c'est la route express. Là. Ouais, ouais, c'est direct, tu peux tourner si tu veux, sans clignotant. Moi, je suis là depuis 40 ans au Canada. Ouais, ouais. Donc, je sais comment ça se passe. Ouais, je crois que j'ai 20 ans à peu près. Ouais. J'avais 40 ans au Canada. Ouais. Ah, ouais. J'avais 40 ans. Ouais, ça fait longtemps. Ça, c'est à mon oncle. Ah, okay. Il l'a acheté il y a 25 ans. Et mon oncle, dis-toi, il a quoi? Il a 23 ans à peu près. Ah, le camion, ouais. Il l'a acheté il y a 25 ans, ah, et franchement. Tout le monde, il a 25 ans. Ouais, il l'a acheté il y a 25 ans le camion, et franchement, il tient. Hein. Ah, c'est un bon bolide. Hein. Ça, là, tu vois, la Bugatti. Ouais. Et il la trace. Hein. Ah, il l'a débridé, il a 1000 chevaux dedans. Oh, t'es mal à route, frère. C'est quoi cette route de ça, baiser de ouf? T'es un malade mental. Mais tu vois, les gens qu'on a vu. T'es un malade mental. Tu es un malade mental. Moi, je suis un malade mental. Ouais, t'es un malade mental, mec, ouais. Ouais, tu me déçois beaucoup, tu sais là. Ah ouais, non, ah ouais, je te déçois, ça, ouais. Tu touches à mon ego, frère. Ah ouais, bah je m'en fous, mec. Voilà. Ah, tu vas faire quoi? Ah hein, hein? Je suis insensible face à ton l'intimidation. Face à son crâne. Tu voulais dire quoi, Hussein? Je voulais dire je t'aime. Ah, moi aussi je t'aime. Je t'aime. Ah, là sur la jambe. Tu... Oh, c'est trop beau. Si, je me sens vraiment en Amérique. Ouais. Bon, les amis, voilà, j'ai mis ma gueule sur un iPhone et on va le laisser là. Puis voilà, quoi. C'est un Walmart. C'est incroyable. C'est comme dans les jeux, dans les films, dans les jeux surtout. C'est dans les jeux. Il y avait une map Walmart dans le jeu en VR. Là. Comment il s'appelle là? C'est le jeu. Cacaboudin. Comment il s'appelle là, le jeu de guerre en VR là? Call of Duty? Mais non, le jeu de guerre en VR. Call of Duty? Zombie? Non, le jeu de guerre. La mouette. Non, mais comment il s'appelle le jeu de guerre? Pavlov, exactement, il y avait un Walmart, non? Mais en tout cas, bref, dans les films, il y a des Walmart comme ça, là. Du coup, là, on est vraiment dans un Walmart. C'est vraiment stylé. Est-ce que vous avez déjà goûté des Oreos à l'érable? Ça doit être chelou, les gars. Bref, vous avez déjà goûté? Vous avez déjà goûté ou pas, les gars? Non, mais les gars, sérieusement, je suis en train de filmer une vidéo et vous me répondez même pas. Mais c'est ton point, c'est une vidéo. Ça, c'est ramener des Cheetos. Je sais que t'aimes bien les Cheetos. T'es content ou pas? Ouais. Mais après, comment tu vas te faire pour te laver les mains? Aha. Ouais, on reçoit de l'eau d'ici, frère. Ah ouais, putain. Après, comment tu vas te faire pour te laver les mains? Je sais pas, je me laver les mains. Bah non, au pire, tu sautes dans les chutes, vite fait. Et tu douces et comme ça, c'est carré, genre. Wow. Tu sais, c'est quoi ça? Wow. Mec, c'est abusé. C'est incroyable. C'est fou. T'es mal les nuages. C'est abusé. Impressionnant. Pour combien vous vous mettez ici, les gars, sur un bateau, genre, de devant tout ça, là? Combien, les gars? Regardez, c'est trop satisfaisant. C'est grave satisfaisant. Genre, l'eau, elle tombe, mais grave bien, genre. C'est incroyable. C'est incroyable ou quoi, Hussein? Je suis pas pédé, moi. Oh! Je suis pas pédé, en fait. C'est la musique en mode... Genre, il vient d'emménager dans une nouvelle maison, là, en Amérique. Il est heureux. Il va aller à l'école, d'avoir ses nouveaux amis. Il est heureux. Ah, cool, de quoi? Mais pourquoi t'es torse nu, toi? Je sais pas. Ça n'a aucun sens, frère. Pourquoi il est torse nu, l'autre? Bah, on a chaud, en vrai. Ah, ouais, j'avoue. Mais ça, je crois, je l'ai fait facilement pour. Ma pote à la vidéo. T'inquiète pas, moi aussi. Oh. On est au Domino's là. Regardez, je m'appelle Spider-Man, les gars. Peter, c'est moi. Entre parenthèses, hein. Parce que les gars. Spider-Man. Entre parenthèses. Ça me fume parce que c'est entre parenthèses, genre. Chou.
De quoi? Retourne. Ah. Ah. Spider-Man, il arrive dans 2 minutes. Il est en quality check. Là, ils sont en train de checker la qualité de ma pizza, genre. 1 minute, ils vont m'appeler, les amis. 1 minute. Dans 1 minute, on va entendre Spider-Man. Écoutez bien, écoutez bien. Il y saute. Attends, on va entendre Spider-Man. Spider-Man. Oh, Spider-Man. That's for me, les amis. Thank you so much. Oh, no. Thank you. Ah, baby. Oh putain, oh les gars, oh Spider-Man, Spider-Man. Regardez la taille de ma pizza par rapport à eux, genre. C'est une dinguerie. Et dedans, il y a 4000 calories. 4000 calories, frère. Il dit ça, il va même pas assez, la finir. Mytho, on va voir. Tu finis pas, t'as un gage. Ok, let's go les gars. Ce que t'as dit, c'est quoi mon gage si tu finis pas la pizza? Tu vas aller pécho une grand-mère, tu vas pêcher une vieille, tu vois. Ok, et si... Moi j'ai rien. Si je réussis à la finir... C'est toi t'as un gage, c'est toi tu vas pêcher ou la vieille. Oui, d'accord, mais moi je dis ça. Parce que vous dites ça. J'ai pas réussi les gars, mais j'y étais presque, j'étais à ça. Il me restait 2 pas, mais j'en peux plus. J'essaie d'avaler, mais ma gorge, je veux pas. Il refuse. Bah, je me suis surestimé. Ah, tu sais quoi faire là? Bah, je sais pas. Je dois draguer une grand-mère. Tu vas la voir et tu parles vraiment de ça. Et voilà, franchement, voilà, je sais pas, je voulais dire, mais voilà, en ce qui vous concerne, je vous trouve vraiment charmante. Tu sais, il parle comme ça. La meuf, la mère de la grand-mère. Mais vraiment, dis-moi. Vas-y, je vais faire ça. Fais que ça, je veux que tu parles comme ça à la meuf. Je veux que tu. Je te filme. Il faut qu'on le jette. Comme ça, on voit ce que je dis pour la preuve. Il faut qu'il y ait une preuve. Là les gars, j'ai payé que un ketchup, 0€. En total, ça fait 0€. On va voir un peu, on va voir s'ils vont me passer mon ketchup. Là, ma commande. Ma commande, c'est la 763. Les gars, c'est bon, j'ai reçu mon ketchup. 0€. En plus, elle me l'a passé comme ça. Elle n'est pas allée chercher dans les menus. C'est un sachet. Non mais remporté. Les gars, on a posé là-bas un repas pour un SDF. Je savais pas où mettre, donc t'es obligé de laisser là. Donc voilà, il y aura un SDF, il va prendre. Genre. Pas tout mal, là. Non, attends. Chez, regarde, s'il y a personne. Il va poser hors de spi. Oh. Je vais laisser ça. Les SDF, il est trop... Il est grave chanceux, là. Ma tête déjeuner. Là, il va manger l'Oreo et il va tomber sur un truc sur sa dent, tu vois, ça va cogner. Oh, c'est une pièce de 2 centimes. Oh, le chanceux de ouf. Non, pas 2 centimes. C'est 10. Ouais. Ah ouais, t'es sûr ou pas? Grave des buildings de Gotham, genre regardez ça là, c'est des trucs de Batman, genre là-bas là. Je dis à personne, je suis Spider-Man. T'es Spider. Pourquoi tu touches? Spider-Man pakistanais, mais Spider-Man quand même. Ok, bah je le dirai à personne. Je te dirai à personne. Okay. Toi, tu connais Peter Parker, tu vois? Ouais. Enfin, toi, t'es Usain Parker. Et est-ce que tu connais tes leçons de maths par cœur? Bon là on va déstresser un peu le Hatsa là, on va un peu lui caresser le crâne parce que bah voilà, il y a beaucoup de stress quand même. Il y a beaucoup de stress là, beaucoup de... Entre la location et la location, voilà quoi. Mec, comment tu crois qu'il est sorti le liquide? C'est la merde de ouf. En fait, ce qui s'est passé, c'est que y a vraiment un problème dans la voiture. Il n'y a plus de liquide de refroidissement et il a pété. Le liquide de refroidissement, il a pété. Regardez tout le liquide qui coule. Regardez, là,
tout ça là c'est du liquide de refroidissement. Le moteur il fume. Il y a de la fumée, attends. Il y a de la fumée de. Le moteur il fume, les gars, c'est la merde. Regardez, tout le liquide là. C'est la D, regardez le liquide là qui coule, c'est la D. Laurent. Ouais non, faut pas faire de bug, c'est pas marrant. Du coup on est dans la merde. Ce voyage vire pas dans le drame, mais vire dans l'annulation du voyage. Hein. C'est la hesse. Bon les gars, voilà, on doit pousser la voiture. C'est la merde.